on est ici aux Philippines, dans un cadre incroyable. Et Eno, on va t'emmener voir de la mangrove, okay. des îles paradisiaques, ouais. des lagons. On va découvrir ce peuple ouais. qui est génial, comme toi, souriant. Bah comme vous, c'est vous qui dégagez ces vibes-là. Moi, je suis très contente de vous rencontrer, je suis très contente d'être aux Philippines, de découvrir ce pays incroyable. Et j'ai l'impression que le programme a l'air fou, ouais, vraiment. Ouais, c'est dingue. Et puis, okay. comme on dit ici, ouais. it's more fun in Philippines. Kawasan Falls sur un site de ouf, c'est parce que c'est magnifique. Ça vaut trop le coup. Regardez, franchement, j'ai vécu un truc de fou. Décharger les noix de coco, je lui ai demandé simplement est-ce que je pouvais tester son le bœuf quoi. Et voilà. Et elle est d'une gentillesse. Lainey, what's your name? Lainey. Lainey. You are so kind, thank you. Les voyageurs, on est toujours à Sergao, on va faire un tour de plusieurs îles paradisiaques. L'île Naked qui veut dire nu. L'île de Bouya, vous allez voir, j'ai checké avant de venir, c'est paradisiaque. L'endroit est complètement dingue. On est une journée superbe, donc on va en profiter du soleil. On est en famille, donc on vous emmène. Mmh.
tranquille. Ça s'arrête jamais. Et là, bon, c'est tout aussi beau, mais c'est un village de pêcheurs. Donc et... c'est un charme supplémentaire. Ouais, il y a des gens et tout. Voilà, vous passez d'un endroit désert à un endroit où c'est habité, et c'est toujours aussi beau. Merci les Philippines. On s'est fait une journée kiff, on va aller surfer dans un endroit amazing. Ah c'est Cloud9, c'est ça? Yes, c'est ça. Oh là là, non. Alors je sais pas si on va pouvoir surfer, parce que c'est un des plus gros spots du monde, c'est et ça. Les vagues sont énormes, mais néanmoins, comptez sur moi pour observer de manière extrêmement assidue. Que j'ai vu. Yeah. Non, c'est dingue. Il y a pour tous les niveaux. C'est ouais. Plutôt un niveau très très élevé. Ouais. Mais surtout la gentillesse des gens, le cadre. Enfin, j'en ai plein les yeux. Je sais plus quoi penser. C'est énorme. Et surtout, il y a une énergie, des vibes comme on dit, qui vous possèdent, qui sont inexplicables vraiment.